cours des thèmes que nous avons exploités auparavant, par rapport à la dépression, le mal de vivre des personnages, et aussi la complexité dans les relations amoureuses, et comment, ça, voilà, comment on entretient nos relations, toujours par rapport à ça. Il y a un stage de théâtre que j'ai fait en 2011, j'étais à un stage de théâtre qui fait un peu écho à cette histoire. Alors, le tournage s'est déroulé entre novembre et décembre 2012. D'accord. Et la reproduction a été finalisée en avril 2013. 2013. Voilà, 2013. D'accord, oui, donc tout le tournage post-production. Voilà. D'accord. Alors, mais donc au niveau de. Bah, ça peut parler Marine, parce que toi, alors déjà comment t'as découvert le film? En fait, j'ai découvert le film par hasard, si je puis dire, parce qu'on a fait connaissance via Facebook, Tim et moi, et justement, il a évoqué ce film, et ça m'a donné vraiment envie de le voir. Il m'a permis de pouvoir le voir sur via internet, ou pas. Et bon, ensuite, je lui ai donné mon opinion à ce sujet. En fait, tu as trouvé un écho par rapport à ce que toi, tu avais vu. Voilà, j'ai eu un choc, c'est ce que je vais dire pour la première vision du film, parce que je l'ai vu déjà plusieurs fois. À chaque fois, j'ai trouvé quelque chose de plus, comme je lui avais expliqué. C'est vrai qu'il y a des passages entiers où j'ai eu l'impression qu'il y avait planqué une caméra dans ma chambre, derrière moi quand je suis dans la rue, tellement ça fait écho par moment à ce qu'on veut vivre. D'accord. Ben oui, c'est après c'est ce que tu rejoignais un peu, c'est ce que l'émotion que tu voulais transmettre, voilà, l'état de dépression, dans quelle morosité constante et tout ça, c'est voilà, quoi. Il y a des moments qui sont d'une justesse. Ah ouais. Au niveau du jeu et au niveau de. Au niveau de l'idée, justement, de la façon dont on peut se comporter, les passages qui peuvent paraître surprenants quand on voit Céline, par exemple, en train de pleurer dans la salle de bain, ça peut paraître caricatural ou déplacé, seulement, quand on est dépressif, c'est vrai qu'on se retrouve dans ce genre de position, prostrée comme ça, à fuir en même temps tout contact. On fuit un peu l'aide extérieure parce que d'une certaine façon, on estime que de toute façon, on ne la mérite pas. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions que vous voudriez poser par rapport au film ou par rapport au truc comme ça. Parce que si jamais vous n'avez pas de questions, en tout cas, il y a un pot qui est offert à la sortie. Et puis, bon, ce sera peut-être l'occasion de parler plus intimement. Alors, après. Une petite question. Oui. Les différents acteurs ont eu. C'est leur première expérience dans un film ou. Ils ont été dans un genre un peu différent, on va dire. Bon, voilà. Mais c'est vrai que concrètement, j'ai voulu proposer vraiment un autre emploi à chacun des acteurs qui sont habitués à des rôles complètement différents de ce que vous avez pu voir. Et voilà, donc en général, par exemple, l'acteur principal est habitué à jouer dans des comédies enjouées, on va dire. Et c'est vrai que là, c'est au cas sur l'image. C'est vrai que c'est assez noir comme film. Oui. Quand ils ont pu, ces différents acteurs ont pu faire du théâtre ou ils ont une expérience. Oui, c'est pas non plus évident
de trouver des acteurs qui acceptent de jouer dans un film comportant du sexe explicite. Il fallait que, finalement, que je m'adapte par rapport à ma situation de réalisateur, producteur indépendant. Oui, parce qu'en parlant de cette production indépendante, le film a été réalisé avec un tout petit budget, voilà, en fait. Ouais. Et moins de 1 000 euros, peut-être une... Son côté budget matériel, oui, c'est ça. C'est 500 euros, d'accord, environ. Oui, oui, ça ne dépasse pas. Et alors, du coup, est-ce que tu as des futurs projets? Alors, concrètement, je n'en ai pas actuellement. D'accord. Mais je pense que en 2015, je pense que ce que je vais en faire. D'accord. Et tu vas essayer d'aller un peu plus. Un peu plus loin dans le trash, je ne sais pas. Un peu plus lourd, hein. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. La vie volontaire. Par rapport au salle d'âme, quand j'étais référence tout à l'heure, c'est vrai que ça fait écho par rapport à l'action du film, puisque le personnage du film était complètement désemparé, et c'est pas, elle ne peut pas aller de l'avant toute seule. Donc là, c'est un peu ça, en fait. C'est finalement. On peut être aidé par des gens, c'est tout seul. On peut difficilement vous faire. Oui, et puis comme l'avait souligné Marie, c'est que des fois, en plus, quand on est dans la dépression, même l'aide des gens est quelque part, on le rejette. Ouais. On le rejette aussi. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très juste dans le film, où on disait dans le. Le côté trash et tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui apparaît au début, et puis quand la poésie arrive, il y a un côté curatif, on va dire, ça s'adapte par rapport à l'évolution du personnage et l'évolution de l'histoire. Au début, c'est à la fois très cru, très clinique et lent et pesant. Et il y a des contrastes avec la poésie, le côté finalement plus lyrique, au fur et à mesure, avec des plans plus courts. Il y a de la musique, qui se fait beaucoup plus. Ouais. Très bien. Écoute, Maxime, je te remercie beaucoup.